Avant-dernière journée de débat au Forum Africité à Dakar. Après la question de la gestion de l'eau, de l'énergie et des transports, place à l'avenir du continent, sa jeunesse. Quelles sont les perspectives pour les jeunes dans les villes africaines? Nous avons demandé à Camille Bounamassila, spécialiste des questions de banlieue et de la jeunesse, en France et au Sénégal, de nous livrer ses impressions. Et je pense que l'Afrique est en train de s'ouvrir. L'Afrique, ils ont compris. Ils ont compris qu'il faut s'occuper des jeunes comme nous, de sa jeunesse. Vous savez, le printemps arabe, okay, qui est plus fort que Moubarak, qui a été plus fort que Ben Ali, qui a été plus fort que Wade, c'est la jeunesse, c'est la banlieue. Et aujourd'hui, le printemps africain a démarré avec Wade. Et si on ne s'occupe pas des jeunes, ça va être pire que le printemps arabe. Nous avons beaucoup parlé de la jeunesse à Dakar, mais qu'en pense réellement la municipalité dakaroise? Nous vous proposons d'écouter Madame Samba Sophie Diagne. Je dirais que le budget alloué au programme de jeunes n'est pas suffisant. Plus de la moitié de la population dakaroise est jeune, il faut beaucoup faire pour les jeunes. On investit beaucoup sur les activités sportives et la vie associative, pourquoi pas les jeunes. Le maire a beaucoup fait pour le lait à l'école, le programme, l'uniforme à l'école. Et je pense que pour l'année 2013, ce sera l'année des jeunes. Cette 6e édition du Forum Africité accorde une place essentielle à l'avenir de la jeunesse africaine. Cette jeunesse qui constitue la force du continent, mais qui pourrait s'avérer également être une véritable bombe à retardement si aucune volonté politique n'était initiée. À Dakar, David Barthès et Roger Coy pour Vox Africa.